On a commencé. Bon, la lumière de Noura, la ring light était pourrie. Donc, ça fait qu'on n'a pas vite commencé la vidéo parce que justement, en bas, elle est cassée. Où on dépose la ring light, là, le pied de la ring light est cassé. Voilà, ça s'est cassé comme les cheveux de Noura. Elle est obligée de mettre perruque. Ses cheveux sont cassés comme pied de. Ça, c'est vrai. Moi, mes cheveux sont cassés. Ça, c'est pas cassé. Mes cheveux sont datés. Pour ceux qui me suivent, ils voient mes cheveux. Moi, mes cheveux sont cassés. Non, tes abonnés, toi. Il n'y a pas même placé ma perruque. Tes abonnés. Oui, mes abonnés. Tes abonnés qui te suivent là. Mes 12 100 abonnés. Tes 12 000. Même ton petit frère abonné que toi, chérie. Mon petit frère abonné que moi, parce que mon Instagram était piraté. Et même si mon petit frère abonné que moi, ça va quoi. Haï, ça fait rien. Ça fait rien. Mon petit frère. Tu es mal. Haï. Tu es très mal. Ouais, c'est hypocrite d'un chien. Tu es un gros hypocrite, tu es chien. Bon, on va. Non, il n'y a pas de moutage. Faut venir, on va faire. Commencez. Toi, tu dois parler. Parler. Non, mais à partir, c'est. Africa Talent, là, c'est toi qui étais là-bas. C'est toi parler, qui parler, je suis là. Arrêtez de crier. C'est ma voix, docteur. Arrêtez de crier. Il n'y a pas encore mangé matin. Tu as aussi mal à la tête, tu peux aller. Je vais dire par moi. Noura dit que Noura, tu soutenais tout à l'heure quand j'ai parlé de ça. Elle dit quoi? Elle dit que si tu es malade là, tu as ta carte d'assurance, tu peux aller à la clinique. On fait bouillir l'eau là. Le que tu as commencé à mettre au feu là, il a fait bouillir. Il était en train de lui faire. Non, c'est fait, calme-toi. En tout cas, t'as fait oh. Bah, si tu es malade, tu prends ta carte d'assurance. Viens t'asseoir. T'en vas. Bon, la chérie. Dans cette vidéo, on vient parler des Africa Talent Awards 2021. J'étais nominé dans la catégorie Best Web Comedian 2021. Mais attends, stop. Tu n'as pas dit que tu n'es pas web comédien, que tu es youtubeur. Oui, je suis youtubeur. Ah. C'est pas moi, je leur ai dit de me mettre dans la catégorie, mais ils m'ont nominé, ils ont mis web. Même ils m'ont nominé, même s'ils avaient mis Best Actor Porno. J'allais prendre la nomination. Si c'est mon cas, je sais pas quelque chose, à quand me mettre dans ça, je boycotte. Mais comme. Ah. Comme toi, c'est pas bon. Moi, je suis patapata aussi. Eh, c'est patapata. Oh, t'as fait qu'à talent là, tu as chargé, oh, chérie. Toi, puis tes amis, vous avez chargé. Oh, mon grand frère, c'est normal. Ah, non, pourquoi je vais me faire? Pourquoi je vais me faire? Donc, les Africa Talent, j'étais nominé aux côtés de d'autres web comédiens. Tu as quel problème? C'est quel truc? Non, c'est le truc. Tu es une épidémie. Donc, c'est toi qui fais ton truc, on peut pas tousser. Voilà. On peut pas tousser dans ton truc. Merci la grande soeur. C'est besoin d'achat. On peut pas tousser. Donc, j'étais en train de vous dire, ça va vous passer aussi. J'étais en train de vous dire que les Africa Talent là. C'est ça qui t'a pas loupé tout à l'heure. Qui? Cookie. Que tu m'avais reçu. Hein, c'est toi qui lui as fait. C'est ça ta gueule là. Chien. Donc, les Africa Talent là. J'étais nominé aux côtés de d'autres influenceurs. Et je n'ai pas gagné. Pourtant, ma communauté a voté. Très fort. Ils ont voté très fortement. Mais aujourd'hui, je tiens à vous dire que je méritais de ne pas gagner. Parce que je ne mérite pas de gagner la bouillabaisse. Oui. Ce qui est sale. Je ne mérite pas de gagner. Voilà. Voilà. Oui, moi je suis totalement d'accord. Hein, parce que c'est... Il faut expliquer comment toi et tes amis, vous avez créé le groupe WhatsApp pour me voter. Point 1 de la vidéo. Les votes. Les amis de Cookie. Hein? Il n'y a pas le montage pour parler les blancs. Vous voyez mon ami parmi, je suis là. Vous vous rappelez de lui. Malik. Voilà. Il s'est levé, il m'a dit que ah, faisons la campagne. Comme ton grand frère est nominé, c'est moi aussi mon grand frère. On s'est levé, on a créé le groupe de campagne. On a ajouté les gens, liste de diffusion sur WhatsApp. Passé partout, les gens sont rentrés. On nous envoyait l'argent. Oui, excuse-moi. Mais faut savoir qu'avant ça, quand ils ont lancé les votes, Kevin était déjà premier. Là, c'est même pas un débat. Les chéris, beaucoup d'entre vous avaient déjà voté. Il était très loin de tout le monde. Oui, très loin de tout le monde. Et puis un coup, le gars là, il a commencé à nous concurrencer. Quel gars? Celui qui a gagné là, on va pas dire son nom. Pas Boudoum nul. Il est Boudoum et puis il est nul. Boudoum nul. Pour rien. Je suis pas un mauvais gagnant. Hein. Sa victoire là a été contestée par le peuple et par les gens aussi qui étaient. Par tout le monde. Voilà donc. Nous on s'est levé. Pas Boudoum nul. Pas Boudoum nul. On vit avancé. Pas Boudoum nul. On votait. Pas Boudoum nul. Nous on était dans le groupe. Lily était dedans. Ça, la famille complète était dedans. On a voté nos droits. Voter. Si vous me suivez sur Insta, ceux qui me suivent, vous allez voir. Payez, mettez les trucs, les messages, statut Insta. On a voté fatigué. Mais le problème, c'est que quand tu votes un, ça compte 10 là-bas. Tu votes un, ça compte 10. Pas Boudoum nul. J'ai dit, mais comment ça s'est fait? Je m'avais regardé
Instagram de Paraboudoumou, il fait 300 vues. 100 likes. J'ai dit non, c'est pas possible. 45 likes. 3 commentaires. 3 commentaires, 4 commentaires. J'ai dit c'est pas possible. Il peut pas nous rattraper mais avec ça. Mais attends, ça à nous. Ça me fait vraiment... C'est vrai, je devais faire la vidéo pour faire rien peu. Mais à faire ça là, ça me tient trop à cœur. Parce que faut savoir que ça a été vraiment. C'était trop flagrant au fait. Wow. C'était vraiment, vraiment flagrant. C'est pas joli à c'est, voir. C'est vrai que Kevin n'a pas gagné derrière, mais ils sont fous. Lui-même, il voulait même pas. Lui-même, il voulait même pas gagner. Mais faut savoir que quand vous créez des événements là, sachez faire les choses pour pas qu'on sente au fait de la tricherie. Parce que c'était tellement abusé. Les amis de coup qui ont vraiment voté, puis Kevin était, vous-même les chéris, vous avez voté parce que Kevin était tellement loin, on oui. pouvait même pas penser que quelqu'un pouvait venir le rattraper jusqu'on le dépassait à ce point-là. Pas Boudoumou. Mais il y a des votes, c'est vrai, mais on peut pas voter quelqu'un jusqu'à 600 000. Et puis quelques 600 000 même. Votes. C'était les Jojo, le comédien, les Sarah Love, parce que j'ai une grosse communauté. Mais 600 000 votes en deux jours, lui, là. Je pense que vraiment c'est pas tellement abusé. C'est même pas réfléchi. C'est tellement abusé. Attends, tu es en train de dénigrer l'événement. Attends, tu es en train de dénigrer l'événement, mais tu étais là-bas. Oui, j'étais. Elle allait remettre un trophée sur scène. Ah, tu aimes la gloire. Tu as monté sur scène pour remettre 5 trophées différents. Oui. Tu aimes la gloire. Oui. Tu savais que cet événement-là, il y avait de la tricherie. Tu mais savais que celui même qui organise là, c'est un malhonnête fini. Non, je mais ne tu es parti. Pas. Non, tu non, non. Nous, Adia, quand tu partais, je t'ai dit. Tu m'as. Genre, faut arrêter, c'est pas passé à l'aise, tu as fait ça. Non. Non, 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 non. Non, faut pas me faire ça. T'as dit. Non, faut pas me faire ça. Mais pas faut pas être le voir. Faut pas passer, tu vois, les gens, tu as menti. Il y avait raison, mais toi, il dit. Moi, vu que Kevin, on devait partir à l'événement ensemble. Tu vois, il a dit, on va partir ensemble. Il a dit, ok, il n'y a pas de soucis. Sinon, moi, je vais partir voir là-bas. Ça la voit bien. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc le jour de l'événement arrivé, je suis venue le voir. La veille, il y a une de ses copines qui m'a écrit pour dire qu'elle veut que je remette des trophées. J'ai dit ok, puisque moi-même j'ai pas de copine de qui? Non, c'est moi. Mais... Hein? J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Comme moi-même je dois passer avec Kevin, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Je suis venue voir Kevin pour lui dire. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Le lendemain, c'était le jour de l'événement. Je suis venue derrière, lui dit ah Kevin, t'es comment? On va passer à l'événement. Il dit non, que lui, il n'a pas reçu de cartes. Il dit ah, mais moi, il a reçu mes cartes pour. Je t'ai dit, même si je recevais, je n'allais pas partir. Oui, ce jour-là, tu as dit ça. Il dit ah, mais moi, il a reçu les cartes, ma carte, puisque moi, je dois présenter le trophée. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci, je vais partir avec qui? Ça, on a parlé et tout. Il dit d'accord, c'est comme ça que je suis parti. Oui, mais son comportement. Mais en fait, non. Non, c'est pas que mon comportement n'est pas bon. Moi-même, je suis ton grand frère là. Oui, c'est moi qui suis nominé. Ça, tu as raison. Tu es venu me dire que Kevin, l'événement là, je veux partir. Je m'en vais remettre le trophée. Moi-même qui suis nominé là, j'ai dit que moi je vais pas. Tu peux dire que bon, tu vas pas, c'est que moi-même je vais pas. Tu es mon grand frère, je suis fidèle à toi. Oui, ou bien c'est comme ça. Je suis d'accord, mais. Parce que quand tu as vu les votes même, tu as vu les votes même sur internet, tu sais que j'étais plus des votes. Je savais que tu t'en foutais en fait. Je savais que tu t'en foutais. Tu as dit que tu t'en fous. Tu dis faut même pas partager ton affiche parce que tu t'en fous. Donc je savais que c'était un événement mais que tu considérais même pas. Donc ça lui dit rien. Je savais que tu t'en foutais. Mais même si. Non, c'est pas parce que tu vois les gens. Attends. C'est pas parce que tu vois les gens que tu vas te commenter comme ça. Il y a quoi? Raï, chacun avait son rôle. Alors, toi, tu vas te demander 4, mais tu vas te demander 4. Si tu voulais. Maintenant, tu as monté sur scène et puis tu es allé remettre 5 trophées là-haut. Tu as gagné quoi? C'est une expérience. Monter sur scène, pour aller parler dans le micro pour donner. Pour qu'ils appellent une expérience. C'est une expérience, j'avais plein d'actifs, j'avais plein d'hommes. C'est une expérience. Tu sais quoi, on peut te. Voilà. Tu peux te ramener à autre chose. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, grande sœur. Tu vas me dernière, mais ça fait pas. Oui. Donc, quand tu es monté sur scène, là, tu t'es senti. Oui, je me suis senti chérie. Je me sentais diva. Diva que tu peux pas être parce que tu peux pas porter les perruques là. Je me sentais diva. Voilà. Attends, si elle veut porter perruque, il a porté où? Non, tu peux pas. C'est parce que je veux pas. Non, tu peux pas. Non, pas à vous faire. On dirait que tu ne peux pas. Ça sert à vite. Ça a fait de plus. Ça va sans moi, tu ne peux pas. Ça va arrêter avec toi. Tu as fait de tout seul maintenant. Tout. Yeah, tu es perruconforme. Oui, ça c'est possible pour perruconforme. Tu es perruconforme. Perruconforme, maquillageophobe. Ok. On est dessus. Qui sera en dessous? Il y a beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout ça là, je ne connais pas. C'est chez la TV là-bas. Faut laisser. Et là, c'est un truc de complicité façon. Yo, les gens de la TV. Aïe, beaucoup. Donc, c'est comme ça nous râler à l'événement. Mais tu t'es pas senti stressé quand tu es monté sur scène? Pour le premier trophée, si. Tu avais peur que les gens te regardent. Oui, c'est la première fois qu'il y a eu, c'est dommage. Hey. Non, ma vieille. Hey, la vieille.
Et tu as donné le trophée à qui et puis à qui? Je t'ai donné le trophée d'Ibawan, mais c'est Moussou Sora qui est venu prendre. Ensuite? Et après, il ne sait plus. C'est le plus connu. Tu qui as est Moussou Sora? Moussou, la seule déjà pas Sora. Ah, la seule Sora. Tu as fait pour toi elle? Non. Pourquoi? Ah, tu es telle star quoi, donc tu voulais pas te. Non, ça n'a rien à voir. Normalement, on faisait une photo, mais elle voulait pas parce qu'elle ne sait pas elle qui devait prendre son prix. Elle le connaît pas quoi. Ibawan, il est elle le connaît, il est. Non. Ils sortent ensemble. Aïe. Non, non, mais pourquoi tu veux. Ils sortent ensemble. On emprisonne pour ça. Hein. Ils sortent ensemble. Faut dire, les gens disent que comme ça. Mais voilà, les gens disent. Les gens n'ont pas dit ça. Les gens. Ah, tu sais que Ibawan là, il était avec Moussou Sora. Voici le message. Fais-nous la vidéo. Fais la vidéo. Oui. Arrête. C'est pas. Nous, on sait pas. C'est que si tu as dit, ok, on va partager aux abonnés. Arrête. Merci beaucoup. Madoché. Maintenant, le prochain point, Cookie. Le prochain point. On a noté. Ça vient. On est professionnel. Prochain point. Polémique par Boudoum Nul. Bon. On avait fait un live Instagram. Moi, comment il s'appelle même? Saga Love, Jojo le comédien, Tata Oscar et puis Sako. Sako Kamara, c'est tous des influenceurs. On a parlé de la cérémonie. En fait même, le live Instagram qu'on a fait là, à peu près 2600, 3000 personnes regardaient. Entre 2600 et 3000 personnes. Mon nez, attendez d'abord, excusez-moi. Donc quand on a fait le live Instagram, l'essentiel même de ce qu'on a dit là, c'était sur l'organisateur de la cérémonie et puis la cérémonie en elle-même. Pas Boudoum Nul, lui qui a gagné dans notre catégorie, parce que j'étais nominé dans la même catégorie que Sako, pas Boudoum Nul, comment il s'appelle? Marcel Two Boys, Jojo le comédien, Mami Show, Sarah Messan. Ange Freddy. Ouais. Bref, on était beaucoup en tout cas. Dans une seule catégorie, 20 personnes. Donc, comment on appelle ça? On a fait le live et pendant 2 minutes, on a parlé de celui qui a gagné. Mais vite fait, on a dit qu'il ne méritait pas de gagner. Et puis, c'est pas méchant. Pas du tout. Il n'est pas fort, il ne mérite pas, il n'a pas une grande communauté. Lui-même, il sait. Quand lui-même, il s'arrête, sa forme, on dirait, panneau là. Quand lui-même, il s'arrête, il sait qu'il ne mérite pas de gagner. Ou bien. Ah, tu es grossophobe? Je ne suis pas grossophobe, mais pour lui, là, seulement je suis son phobe. Lui-même, son tour, je suis son phobe. En tout cas, moi, je suis Boudoum Nul phobe. Je suis jouphobe, il a les joues. Non, moi, il joue aussi phobe. Il n'est pas fort. Je suis nulophobe. Parce qu'il est nul. Tu vois ces blagues sur TikTok, non. C'était un peu trop. Donc, le gars-là vaut rien. Même quand tu as posté Boudoum Nul. Il n'a même pas une communauté. Quand tu as posté tes trophées sur Facebook, là, tu as lu les commentaires, les gens ont mis là-bas. Sur la page. Il y a une page, la tribunal. Pardon. Celui-là aussi, c'est des. Pardon. Quand tu as posté, on t'a posté là-bas, tu as vu les commentaires, les gens ont mis là-bas. Ils t'ont fait. Toi, toujours, quand tu gagnes, on dit que non. Toujours. Les autres, là, quand ils gagnent, on dit que félicitations. Toi, toujours, quand tu gagnes, tout le monde dit mais pourquoi? Pourquoi? Ça ne t'interpelle pas. Normalement, il y a trophée là, mais quand tu regardes, tes lames doivent couler. Tu n'as même pas. Tu dois même pas prendre même. Quand tu regardes le trophée là, c'est-à-dire à chaque fois que tu regardes le trophée, une lame doit couler. On sait vraiment que c'est la tricherie. Parce que nous, on suivait les votes de ton événement là. Il avait 1000 votes par minute. Et c'est lui qui a la grande. 1000 votes par minute. On sait que c'est la tricherie. C'était trop flagrant. Tout le monde en parlait. Donc, on a fait le. Comment on appelle ça? On a fait le direct, le live. Où on ne l'a pas insulté, on a juste dit que. On a donné notre avis. Moi j'ai dit c'est un hypocrite parce que toi, pas Boudoum Nul, tu écris à Saga Love pour dire non, mais en fait moi-même les gens veulent me voler aussi parce que Saga Love avait fait une story Instagram pour dire que. Afin d'Africa Talent là, il va faire un live et puis il va descendre l'organisateur et l'organisation parce que c'est n'importe quoi, ils sont en train de voler les votes. Exactement. Maintenant il écrit à Saga Love comme il a vu la story parce qu'il nous suit nous tous. Hein. Moi-même jusqu'à présent il me suit. On te suit pas aussi Instagram, c'est toi qui nous suis. Tellement on te connaît pas. Toi, tu nous connais. Exactement. Voilà. Et j'ai vu même que en décembre, en janvier, le 16 janvier, tu avais commenté ma story. Il y a beaucoup, beaucoup de drapeaux de Côte d'Ivoire comme ça. Tu penses que parce que je suis ivoirien, tu es ivoirien, tu es nul. Je vais pas te dire. Même si même toi et puis moi on est de la même ethnie, tu vaux rien. Il n'est pas entier. C'est pour dire que même si on puisse être ivoirien, même on est de la même ethnie. Même dans des familles aussi. Boudoum Nul. Boudoum nul.
Donc toi, Boudoum nul, tu écris à Sarah Love pour dire que oh, moi aussi ils veulent me voler et tout. Sarah Love t'a snobé, mais il a fait la capture. Il t'a snobé parce qu'on se mélange pas au nulard. Nous on cause que entre nous talentueux. Donc la femme du lard. Sarah Love m'a envoyé la capture. Après moi et puis Jojo on en a parlé. Et puis on a fait le live, tu vois. Et dans le live, moi j'ai dit c'est un gros hypocrite. Bon, il est gros même à la base. Et puis hypocrite. Donc dans tous les cas, c'est du factuel. Être gros là, je n'ai pas inventé, tu es boudoum. Hypocrite, tu es hypocrite. Donc c'est du factuel. En journalisme, on dit que ce sont des faits. Donc, boudoum nu. Et moi j'ai dit dans le live, il est hypocrite parce qu'il sait que s'il gagne, parce qu'on ne savait pas encore les résultats, on a fait le direct le jour de la cérémonie. Le live Instagram, on l'a fait le jour. Pendant que nous étions en train de se maquiller là-bas au palais de la culture pour se faire voir. Je ne suis pas maquillée au palais de la culture. Tu t'es maquillée où? En tout cas, pendant qu'elle partait donner le trophée, comme si c'est elle qui avait eu l'idée de Africa Talent. Voilà. Comme si c'est elle qui avait eu l'idée d'organisation. Je vais te descendre, tu es déjà assez. Tu es déjà couché. Oh, les pompiers sont en train d'arriver. On n'a jamais mis de drap sur ton visage. Oh là là là. Oh, crions sur elle. Ouh. Crions sur elle. Ouh. Y'a comment il faisait. Y'a comment il faisait. Tu as me descendre. Ça s'est passé. Ça aussi, oui, tu faisais. Tu as la descendre. Mais toi, tu es avec qui même au final? Il t'a ça me fait pas rire. Soit tu me soutiens, soit non, tu non, t'es. Non, ça c'est de la petite foyer. Lui, il te soutient. Ok. Tu soutiens qui? Pas pour tout nul alors. Comment ça? Donc, j'ai dit qu'il est hypocrite, nanana, tu vois, non? Et j'ai dit que comme il sait que c'est lui qui va gagner, il est obligé de venir écrire pour dire que moi aussi on voulait me voler. On voulait te voler de quoi? On voulait te voler pour que tu as gagné. Tu es un menteur. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, le lendemain. Il a fait un post, une story, je n'avais même pas vu. C'est quand je faisais un direct encore le lendemain, Noura m'a dit, ah, les abonnés disent qu'il a fait une story sur toi. Où il disait que si j'entends mon nom encore dans la bouche d'un PD, je vais le frapper, nanani, nanana. Que j'ai... La personne je... gagner, on voulait donner le trophée à la personne. On voulait donner le trophée à la personne. Si c'est de moi tu parles, tu mens. Mais lui, son manager, moi, mais il a dit un truc qui m'a fatigué. Son manager a dit taper... du point de la table. Il n'a même pas intelligent. Mais comment vous savez qu'on voulait donner le trophée à la personne? Il n'a même pas intelligent. Comment? Parce que normalement, on finit les votes, chacun derrière son écran, hein. Il se voit à la cérémonie, si c'est toi, tu prends ton trophée. Mais comment toi, tu sais? Toi et ton manager, vous savez qu'on voulait donner ton fil à quelqu'un. Un duc au but comme ça. On voulait donner à la personne qui mérite. C'est ça. Moi-même, là, Africa Talent, là, je connais personne là-bas. C'est-à-dire que je n'ai même pas une connaissance. Personne. Donc, je n'ai même pas reçu carton d'invitation. Personne. Maman. Personne. On m'a nommé. Je n'ai même pas reçu carton d'invitation. Personne. Donc, s'ils n'ont pas jugé nécessaire de m'envoyer carton d'invitation, c'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà traité avec toi. Bien ça, sûr. Ça, c'est hoha. Ah, c'est haut. Ça, c'est hoha. C'est hoha. Mais en fait, Boudoum nul, c'est même pas le fait que tu aies gagné. Moi, ça, nous, tous sommes. Ça. Ah, moi, Kevin, voulait pas. C'est la petite hypocrisie que tu mets derrière. Voilà. Puis, quand tu viens bomber sur internet pour dire que si je vois un PD qui dit mon nom, je vais le frapper. Ou tu vas être trop comme si tu mérites. Comme si quand j'ai commencé PDA là. Je t'ai appelé pour te dire allô, bonjour, je commence le PDA. C'est là son papa qui a commencé, c'est lui qui a passé les combats. Allô, bonjour, je commence le PDA. Toi, je vais te dire, j'espère que le jour on va se croiser, tu vas me frapper. Et puis, il y a des abonnés qui ont envoyé. Il y a des abonnés qui m'ont regardé. Parce que c'est toi qui m'as dit. Oui, il y a au moins 6 abonnés qui m'ont envoyé, genre sa story. Et puis des messages. Il est passé que moi, j'ai reçu un message qui disait. Méfiez-vous parce que mon grand frère parti porter plein de contre vous. Surtout toi qui parlais, il a dit faut pas venir plaider. Fais ta paix de transport, tu as gaspillé ton seul puis énergie. Donne-moi ta position, moi, mais viens prendre la plainte. Alors, lève-toi la prière. Parce que moi-même, depuis que je suis là, je n'ai reçu aucune convocation. CCDO n'est pas venu me soulever. On ne frappe pas aussi. On m'a pas encore appelé pour dire que je suis au bâtiment, c'est de la maca qu'ils ont gardé ma chambre là-bas. Mais tu fais une convocation sur quoi? Il va porter plainte sur quoi? Il n'y a pas quelque chose de concret sur quoi porter plainte, donc il ne peut pas. Je ne sais pas. Il ne peut pas dire harcèlement. Voici ma paume. S'il y a poil dedans, faut tirer. Il va dire harcèlement. Laisse-moi la faire pomme. Laisse-moi faire pomme. Mais attends, si mes abonnés sont allés lui dire. Je vous aime. Oh, la femme de la santé. Photo. Mais mes abonnés.
abonnés même lui ont donné quelques commentaires. Vous lui avez donné un nom et quelques j'aime. Quand il met les photos de ses deux commentaires sur Instagram, ils sont allés te donner... Quand il a mis 6 commentaires, quand il a commencé le direct, 200 commentaires, mais... Si ils sont allés l'insulter, moi je n'ai pas demandé à rien d'aller l'insulter. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Au contraire, j'ai même dit, ne le signalez pas parce que mes abonnés voulaient te signaler. Je leur ai dit, ne le signalez pas, c'est pour ça que tu as encore ton Instagram. Parce que je sais que bon, au-delà de tout, c'est ton travail. Tu es bête, mais il faut que tu manges. Parce qu'on peut être bête et puis aussi avoir le droit de mettre quelque chose dans la bouche. Parce que tu es déjà gros. Si toi, ton format, là, tu arrêtes de manger, ça va donner quoi? C'est ça. Tes joues qui sont comme condensées de boue quand il pleut là. Ça va donner quoi? Doucement. Doucement. Ok, la pause. Donc, prenez le relais. Donc, c'est si je commence, ça va. Oui, sans trop beauté. Parce que, oui, le blanc, parle, le blanc. Oui. Non, c'est toi qui dois parler. Oui. Toi, tu es allé, attends. Toi, tu es allé à la cérémonie là. À la cérémonie là. C'est quoi tu as vu là-bas qui t'a déplu? Parce que cette cérémonie là, on dirait que c'était du pète-pète. Hé, l'organisateur. Toi, monsieur l'organisateur. Toi, la Oubi Gopo. C'est le 4 point. La Oubi Gopo. Tu es là au lieu de payer tes photographes. Tu as pris 14 photographes pour les Africa Talent. Même un photographe, tu n'as... Non, il est qui, puis on va dire non. Même un photographe, tu n'as pas payé. Il va se reconnaître. Au lieu de te pommader du matin, on dit maintenant tu as un bouton dans ton visage. On dirait tellement tu mets un produit là. Wow. Les boutons là font variotoscope dans ton visage. Je les fais. Ça allume, ça s'éteint. Comme les voitures sur la route d'Assiné à 2h du matin. Je les fais. Faut arrêter de te pommader. Et payer. Tu dois payer tes photographes. Tu entends? Paye aussi tous ceux qui ont travaillé pour ton événement. Les présentateurs, les photographes, tout le monde. Le gars a mal fait des dessins. C'est quoi? C'est gâté. Tu organises quelque chose, tu n'as rien, c'est forcé. Toi, tu étais là-bas. Moi, je lui ai dit, non, moi, je peux pas. Non, quand j'ai dit, tu étais là-bas, c'est quoi tu as vu qui n'était pas bien? Je peux pas trop. Non, quand tu, c'est non. Quoi tu as vu? Est-ce que vous avez bu du champagne? Non, on n'a pas bu du champagne. C'est pas normal. C'est Guinness qu'on vous a donné. Ils n'ont rien bu. On n'a pas bu. Non, moi je veux pas, moi je suis pas comme ça, moi je veux pas trop dénigrer l'événement parce que t'es là-bas, ça fait pas joli à voir. Mais tu étais là-bas, est-ce que tu as dénigré avant de partir? Tu n'as pas dénigré avant de partir? Oui. Non, attends, du moment où tu n'as pas dénigré avant de partir, et que tu arrives que ça du pète-pète, là maintenant tu peux dénigrer. C'est quand tu dénigres avant même d'assister à l'événement, ça, puis tu t'en vas, bon. C'est ça qui est sale. Parce que tu vas pas, tu n'es pas encore parti à un événement, tu sais pas comment ça va se passer, puis tu dénigres. Voilà. Et puis tu te lèves pour partir. Non. C'est ça qui est vilain. Mm-hmm. Mais du moment où tu n'as pas dénigré avant de partir, voilà. Et que tu arrives, non, que c'est totalement dantesque. Oui, mais si c'est dantesque, là tu peux... C'était dantesque. Pittoresque. Mais j'étais là. Mais donc tu donnes... Moi je vais donner mon avis. Sur l'événement, je vais... Attends, événement, tu veux faire encore l'année prochaine? Non, pas que je vais faire, si, mais c'est ça. Non. Mais parce que moi, les gens qui convenaient avec moi que je suis logique. Ah, vous aussi, je vais donner mon avis, mais je dénigre pas son événement. De toute façon, tu as dit, tu peux pas qu'on on signale la page de la personne. C'est comme ça aussi, ah, non. C'est son manger. Moi, je vais pas dénigrer, mais je vais donner mon avis. Moi, je trouve, franchement, je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'organisation parce que... Non, pour le public, c'était joli, mais derrière les scènes, il y avait vraiment, vraiment beaucoup. C'était l'hécatombe. Laisse-moi arriver à mes faits. Faut pas parler fort. Les maçons sont en train de taper l'immeuble. Que je vais bénéficier de ça, l'immeuble où je suis l'héritier là, les maçons. C'est monsieur Obin qui a construit l'immeuble, ça là, et puis c'est toi qui vas bénéficier. Oh, c'est papa, c'est héritage. Ils sont les seuls ambitieux qui se battent, c'est héritage, la grande soeur. Continuons. C'est monsieur Kone qui a construit. Oui. Oui. Non, arrêtez. Oui, hey, arrêtez. Continuez à rigoler. Non, on rigole. Non, on rigole. On a l'habitude de s'amuser comme ça. C'est la rigolade. Voilà. C'est la rigolade. Vous savez, on s'entend tellement que. Oui. Ça déborde. On fait au choix à nos papas. Comme oui. Nous, papa, c'est papa, c'est pas s'habiller. Là, tout eh. Et là, papa, là, il a mal au dos, il est courbé comme ça. Voilà. Mon papa est joli que le papa. Dans ça, c'est bon. Tu m'as mon papa. Mon papa est joli que le papa. Sacha, papa, c'est pas s'habiller. Il sait pas s'habiller. En tout cas, son papa, ses chemises pas, tu as vu? Mais mon papa porte les jolies chemises. Mais chemises pas, j'ai déboîté. Vous faites papa là, le polo il porte là, c'est le polo du temps des jours. Mon papa là, mais il est professeur. Mon papa là, jolie chemise pas, une jolie polo. Quand dit visage, bon bel homme. On les aime beaucoup. Un bisou à tous nos papas. Mais il y avait vraiment derrière les scènes, c'était pas bien organisé. Il y avait en tout cas, mon papa est joli que oui, d'accord, on a compris. En tout cas, Bobo n'est pas resté à lui, c'est ça le vrai. Bobo n'est pas resté pour vous aussi. Ça aussi, c'est un point. Ça aussi, c'est un point. La femme du on va pas trop s'abattre là-dessus.
Parce que je vous ai déjà la carte arrêtée. Mais on rigole. On respecte nos papas, c'est comme ça qu'on a l'habitude de rigoler. C'est la rigolade. Entre nous trois, c'est comme ça qu'on rigole. Nos papas savent même pas qu'on fait ce genre d'amusement entre nous. Et mais même bon. S'ils savent, ils vont bien le prendre. Voilà, ils sont intelligents. Donc, c'est pas mieux dit que vos gueules. Donc, je disais, derrière, il n'y avait pas bonne organisation. C'est-à-dire que tu remets le prix de quelqu'un et il ne déchire pas l'affiche. Ils reviennent mettre ça en code. Donc tu as l'impression qu'ils veulent remettre le même prix deuxième fois. C'est toi, mais tu dis non. Mm-hmm. Mais ça là, j'ai déjà donné ce prix là et tout. Donc par exemple, si il dit que. Si par exemple le prix de meilleur web comédien, oui. Ils voulaient remettre ça deux fois encore. Voilà, parce qu'ils savent pas qu'ils ont déjà remis. Est-ce qu'ils ont remis le prix de tel prix non, est-ce qu'ils ont non, remis tel non, prix non, tu vois, non, c'était pas. Les choses mal organisées là. L'animateur, franchement, il était très professionnel parce qu'on lui mettait assez de prix. Jean-Paul Adomon. Très professionnel. Il est très fort. Très élégant. Animateur de Live TV. La foire des deals. Du lundi au vendredi à 20h sur Live TV. Je connais même. Il était très professionnel, franchement. À 18h. Quoi? Avec Antonella et puis Esther, oui. On lui mettait beaucoup de pression. Tu vois, l'organisateur, même, il y a un moment où il criait sur lui, mais il n'a pas mal pris. Il a fait son travail de manière vraiment, vraiment professionnelle. Et quand tu veux remettre, normalement, les prix, c'est pour remettre au gagnant. Faut laisser Chocopil à tu as parlé normalement. Non, je veux donner mon avis. Mais est-ce que pour donner son avis, non, je veux remettre le prix à quelqu'un. Il dit non, faut revenir avec le prix, tout ça. Donc c'était. En tout cas, tout le monde était mélangé. Mais dans la salle, il n'y avait même pas du champagne. Dans les c'est loges. Ça, faut répondre dans les non, loges. Il y avait, non, il n'y en a pas. Même s'il y avait, moi, il n'est pas. Attends, tu t'es attaché pour bâtir au chéri. Oui, il était sapé d'ailleurs. Ceux qui me suivent, c'est Instagram. Allez-y, me suivre. Hola, Nora. Elle était bien habillée, très bien habillée. Merci, mon petit frère. Mm-hmm. Comme nos papas. Oui, comme nos papas. Et toi, pourquoi tu n'es pas parti au Africa Talé? Il va dire là-bas. Moi, si elle m'a appelé, elle va partir. Il va dire là-bas. Demain, ça va, bonjour 2022. Juré. Oui. Moi, j'ai un programme, moi, j'ai une vie. C'est quoi ta vie? Dites-moi. Bon, ok, donc mais on peut donner ton ticket à quelqu'un si tu vas pas. En partie. Ok, d'accord. Donc c'était un peu ça. Non, c'était un peu ça. Parlons des Africa Talent Awards. Pour conclure, je veux dire que ne me nominez plus. Oui. Quant à moi, je veux plus. Non, pas dire ne nous nominez plus. C'est une équipe. Parce que c'est une équipe. Ça c'est oui, bien dit. Oui. Parce que Kevin, souvent, il oublie qu'on est une équipe. Ça, c'est. Parce que mon rhume est en train de. Non, ça va remonter. Ça c'est bien dit, même dans le canapé, il oublie, s'oublie beaucoup. Mm-hmm. Non, en fait, comme c'est mon seul, j'étais sur l'affiche. Oui. C'est plus ça. Mais c'est une équipe. Oui, tu es la star. Maintenant, là, mais c'est une équipe. Maintenant quand on te voit, on te demande après ta famille. Donc c'est une équipe. Parce que bon, même tes vidéos seules, souvent tu n'as pas le temps. Parce que même la lumière là, c'est pour moi. On dit, ah, faut faire la vidéo seule, souvent. Fais la vidéo. Tu mens, mes vidéos seules là, c'est moi qui m'élève ici. Mes vidéos seules là, c'est moi qui m'élève. On t'anime. Moi, vidéo, je t'ai pas dit qu'il faut faire une vidéo sur tes abonnés si on a besoin de ça. Mais il t'a dit que j'ai fait. Si tu me regardais ma chaîne là, tu aurais vu qu'il est sorti une story time avant-hier. Oui, ça a dit là. C'était quoi le titre? Tu fais tes directs, même quand on a vu la chaîne. Il regarde ta chaîne. C'était quoi le titre de la vidéo que j'ai sorti avant-hier? C'est ça une famille. Bon, les Charlie, la vidéo est terminée. En tout cas, ne nous nominez plus. Non, ne nous nominez plus au Africa Talent. On a déjà arrêté de dire. Les autres l'ont nommé. Les gens du premier de là-haut, nominez-moi aussi. Qu'est-ce le vieux père Mola, faut me nominer. J'ai fait vidéo. Aïe! Premier de là-haut, tu nomines même. Moi, tu me sautes. Pourquoi? J'ai fait vidéo. Je passe un appel solennel à mon vieux père Maurice le Mola. Je suis sur Live TV, je suis TV host. Je suis influenceur, je suis youtubeur, TikToker, partout les 1-1-1. Je suis là-bas. Et je suis toujours à l'heure, quand on me dit de venir à l'heure. Faut me nommer au primus. Je serai un primideur. C'est un rumeur aussi. Je ne suis pas encore tressé. Tu n'es pas encore tressé. Ah, mais ils sont venus te donner l'argent des fêtes. Tu as refusé. Non. Ah, tu as beau que. Souvent aussi. Toi, quelqu'un veut te donner l'argent des fêtes. Non, on est devant la caméra. Ah, d'accord. Oui, on est devant la caméra. Avec un dessin, mais c'est bon, il me lève. Mon vidéo, là, il ne fait plus. Bon, en tout cas, c'est la fin. Il a fait la vidéo, tu ne veux pas me payer. Mais ils ont fait de la. Tu étais la lumière pour quoi? Non, je vais essayer de ne pas passer ma lumière, ça suffit. Tu ne me payes pas pour ça. Il est malé. Tu m'as aimé là, c'est fini. C'est pour ça que Dieu a fait que l'argent des fêtes là, tu n'as pas eu. Mais c'est Dieu qui a fait que quand ils sont venus te donner l'argent, tu as serré ton visage et puis la personne a dit qu'elle ne te donne plus.
Souvent quand la personne m'a dit, mais dans, la personne n'a pas dit, mais dans le but, c'est moi j'ai refusé. Et puis la personne m'a fait dépôt wave. Voilà. Et puis tu as renvoyé l'argent. Oui, mais la personne m'a ramené encore. Ah, donc tu as besoin de ça? Oui, il y a besoin de ça, j'ai Mais c'est l'hiver! Il n'y a pas de pétard. Mais c'est l'hiver! Je vais lui envoyer la partie là pour qu'il regarde ça, parce que c'est son numéro. Coupez, ça va, coupe! Coupe, Kevin, c'est où? Coupez! C'est gardé, chien! Coco-bi, coco-bi.